Bon, merci les gars d'être venus parce que la neige elle arrive à 18h et une fois qu'il neige, le drone on le retrouvera qu'au printemps. On va là-haut faire une mission rescue, on est 4 et ça va être vraiment facile je pense parce qu'on prend la crête, on marche, il y a un chemin d'été. On va même peut-être même pas trop avoir les pieds dans la neige. T'as le piolet ? Piolet. Putain mais... Mais arrête avec le piolet là. Je crois que je l'appelle parce que je suis en galère dans de la montagne à vache. Est-ce que j'en ai trop fait? Il y a vraiment un acteur studio qui joue à la perfection. Sur WFPV, on fait des gros requins et sur Winter Activity, on milite pour la préservation de l'environnement. Ça, c'est toute la logique d'avoir plusieurs chaînes YouTube pour pouvoir faire plusieurs types de vidéos. Parce que le truc, c'est que tu avais un 6 pouces de ouf qui est capable de tenir 18 minutes d'autonomie. 15. C'est légal, 15. Ça 15 en tuant une batterie. Après avoir craché sur cette crête de gauche, tu vas où pour retrouver du signal? Je faisais un peu de la triangulation. Je marchais sur la crête avec la télécommande comme ça. Avec l'alignement de l'antenne et la LED, et je faisais. Dès que je voyais le sommet, la crête qui est cachée par ici, donc le crossfire devenait vert quoi. Il est vivant, je veux l'entendre quoi, je veux une preuve de vie. Préarme, arme, coup de gaz. Et là t'entends? Et en fait, j'entends rien, j'entends 3 secondes après. Oui, oui, voilà, je suis, oh putain, il est vivant. Mais par contre, je sais pas quelle connerie j'ai fait en armant. Et où est-ce qu'on va le retrouver? J'ai un peu peur qu'il ait volé. Ah non. Mais non. Ça c'est l'échec les gars, s'il a volé on est mort. Moi je pensais monter par la crête qui est là-bas derrière. Ouais. La deuxième au fond. Mika il veut monter par cette crête là. Par la crête là, ouais. Celle que t'aurais dû prendre pour descendre sans faire un fail safe. Bon, on est sûr de notre. Je vais prendre le risque du cut-off. Ah, j'ai déjà faim. Et allez, c'est parti pour la mission. En effet Arnaud, t'avais raison, je me suis trompé sur le itinéraire. On devrait être sur la crête de gauche là. Et moi je me retrouve ici sans mes raquettes. Parce que l'autre blaireau il s'est trompé. Et moi je connais le spot. J'aurais pas dû me laisser convaincre. Oui ça communique. Alors, comment tuer son pote? Check comme ça un peu qui est derrière. Au moment où il arrive derrière, oh j'ai zippé. Moi quand je dis un truc, je le dis avec tellement de ferveur que tous les gens me croient, alors que des fois c'est faux. Eh, tous les chemins mènent au sommet quand on monte hein. C'est la jumelle du riche. Non mais pour moi il est dans l'autre couloir derrière. Ah ouais? Ouais. Il est arrivé là en mode 360 autour de la croix. Bon, il est parti sur cette arête là, la fail safe. Et je pense qu'il se met pile dans le petit couloir là, dans le caillou. Et au pire il dévale un petit peu, mais pas trop parce qu'il avait du signal depuis un peu ici hier. Ulysse, tant qu'il y a de la neige, il n'y a pas besoin de piolet. On est en haut, on va chercher le drone. Oui c'est Montaz, Kylian Jornet, c'est Montaz en travelling sur la crête, allez-y. Ok, Eric il passe au-dessus, moi je passe là. Ouais, dans l'idée, je comprends toujours pas pourquoi t'es pas venu hier directement quand t'avais encore de la batterie sur le drone. Hein. C'est quand même pas super engagé. On dirait que ça fait plus peur que ça ne l'est en vrai. Si on le trouve, je le cache dans mon sac, on lui dit qu'on l'a pas trouvé. Voilà pourquoi faut pas se retrouver derrière Mika en montagne. Pas de signe de drone. Pour le moment, pas de signe de drone. Il est où? Je vois quoi là? Dans la neige? Ah ouais! Ah ouais! Ah. Il a rebondi, il est juste sur l'arête là! Attends, je passe par au-dessus! On a retrouvé! C'est qui les patrons? Putain, Eric, bon pied, bon oeil! Yes! Le voilà quoi! Un petit badger 6 pouces! Ah, il y a bien 600 balles dessus là avec la GoPro et tout. Putain, il a rien. Là, il est tout bon. Impeccable. Arnaud, attrape. Allez, on se fait plaisir. On va essayer de décoller en parapente du sommet. C'est pas gagné, il y a du vent. Ah là, mon petit 6 pouces, il est là. Ah, ça fait plaisir de te retrouver. Et ça fait surtout plaisir d'avoir des amis comme ça, les gars. Merci. Allez. Comment on va perdre d'argent? À défaut d'en gagner, on n'en perd pas, c'est pas mal. Je t'ai fait un setup comme Cola. C'est Cola qui s'est fait un setup comme moi. Ah.
Votre JRI préféré? Mon jean et tout. Ça protège le logo Winter Activity. Ouais, ça protège de tout, surtout des conneries. C'est décevant 2633 quoi. Ouais, vas-y. Bah moi je décollerai là hein. Et après on fait tout le tour de la montagne et on atterrit chez Arnaud en bas. Donc Arnaud ta baraque elle est là, là, elle est en dessous là. Je peux pas me louper la côte d'Em. Alors quand les mecs commencent en disant je peux pas me louper, heureusement qu'ils sont plus solides que moi parce que... Bon bah je mets la sellette. J'essaie de me mettre dans la pente verte là. Salut vautour. Si les vautours volent, ça volable. Il y a des moments où c'est calme, faut pouvoir les prendre. Elle est belle. Ça, c'est un déco efficace, ça. Bon, ben, ça monte, hein. Youhou. Youhou. Eh, c'est pas mal. Si tu veux tenir, Eric, c'est pour monter et rester collé, hein. Gaffe, faut s'accrocher en l'air, hein. C'est le yo-yo, le grand 8, là. C'est chaud. Ça décolle pour Rico. Oh là là. C'est chaud. Ça va? Y'a des rafales dans tous les sens mon gars là. Allez, te fais pas mal Riku. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup Riku. Allez, bon, faut que je reste en l'air. Ouh yes. Yeah. Décollage pour Riku. Moi je tiens plus, c'est chaud. Y'a vraiment des couches de vent. Au-dessus y'a du vent, en dessous y'en a pas. Voiture Riku, voiture. On va à la voiture. Oh, ça va être chaud. Il est où? Il est là. Gauche. Riku, voiture. Eh ben Eric il visite. C'est pas grave, moi j'essaie d'atterrir la voiture. Elle est juste en bas là normalement. Oh là là, on est dans la perturbation. Un peu dans la merde aérologique comme on dit. Je vais me mettre sur la petite crête en face, revenir dans le sens là. Toujours en lice pour l'atterrissage à la voiture. Je m'approche du relief. J'essaye de faire un petit touch sur le sapin. Sapinou. Je me place en axe. Boum, je freine, je relâche. Allez, Sapinou. Pas loin, pas loin. Hey, hey. Boum. Je suis trop content. Eh hey, les copains, ils sont tout en haut encore. Allez, à tout à l'heure, j'ouvre le champagne. Champion du monde. On a réussi. Il y a pas de raison, on reteste le drone pour voir s'il vole. Quand on branche un drone, on connaît tous le bruit qu'il est censé faire. Ou pas. Oh, 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 ça marche. Mets-le sur la voiture tant qu'à faire, hein, si t'as envie vraiment de tout casser. Allume ta télécommande. T'as le signal vidéo? Ouais. Crossfire? Ouais. Ah bah il baigne de plus. Retour vidéo il marche. Du coup je peux pas savoir si le moteur marche. Il y aura un petit peu de bricolage quand même sur le drone. Du coup le mot de la fin Arnaud pour tous ceux qui veulent se mettre au FPV. Alors il suffit de voir ce que je fais et puis vous le faites pas. Faites pas ce que fait Arnaud et vous aurez une longue vie en FPV avec plein de drones. Bah, à chaque fois on les retrouve et ça c'est ouf. Après moi j'aime bien la petite rando du lendemain. Grave. Ouais. Et tous les trois épisodes on est obligé de cracher un drone loin pour aller faire une expédition pour le retrouver donc c'est. Allez parfait. Champagne. Merci à tous, abonnez-vous et puis dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Bisous. Alors Eric, il nous a abandonné, il a retourné directement chez Arnaud et il a pas les clés. Mais nous, on va quand même boire du champagne, tranquille. On est pas bien là, en plein milieu du Beaufortin. C'est un peu une sirène. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.